Bonjour et bel après-midi en perspective. J'ai l'impression que vous allez passer un moment assez extraordinaire pour un work in progress d'exception, je vous le dis tout de suite. Il s'agit de Captain Leatherhawk et Blood Dragon Remix. Avant de commencer, je vous demande de ne pas faire de photos, de ne pas filmer. Tout ça pour la protection du secret que vous allez découvrir cet après-midi. Alors, de quoi il s'agit ? C'est une série animée, originale, mixant des personnages Ubisoft alternatifs dans une lettre d'amour passionnée aux années 90. Un premier teaser a été présenté ce lundi à l'occasion de la conférence Ubisoft Forward à Los Angeles, avec des premières images et l'annonce d'une sortie sur Netflix à l'automne. Et cette série est produite par Ubisoft Film et Télévision pour Netflix en partenariat avec un certain studio, Bobby Peels. On en parlera un peu plus longtemps tout à l'heure. Alors, je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Un petit synopsis en passant, c'est toujours une bonne chose. Nous sommes en 1992. Les États-Unis sont désormais une technocratie appelée Eden, où règne la propagande et la corruption. Dolph Leatherhawk est un super soldat échappé de l'armée d'Eden en route pour un dernier casse avec son petit ami Alex Taylor. Et pour ce faire, je vais appeler toute l'équipe tout d'abord d'Ubisoft, en appelant Claire Rionneau, responsable du développement à Ubisoft, on l'applaudit très fort.
Hugo Révon, producteur Ubisoft Film et Télévision. Et alors, l'inénarrable, mais absolument inénarrable, équipe de Bobby Pearce, et j'appelle tout d'abord Mehdi Lafad, le réalisateur. Le costaud Balak, directeur créatif. Et le formidable Jérémy Bonouvrier, directeur de production. Et il en a vu. Et pour commencer, un petit sneak peek de 2 minutes, je crois. Et après, on attaque. Bravo, bravo. Alors, j'ai quand même une question cruciale pour toi, Hugo, c'est de savoir comment est né ce projet. Et puis, je crois que tu as eu une découverte absolument passionnante avec un certain Ali Shankar, dont tu vas nous parler et qui a amené à cette réalisation. Tout à fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux remettre en perspective le projet qui a en fait commencé il y a maintenant 7 ans. Donc, pour les plus jeunes dans la salle, à l'époque, Mehdi et Balak avaient des cheveux. Donald Trump était encore une blague. On aimait bien les pangolins encore. Bref, beaucoup de choses, beaucoup de temps a passé. Et en fait, il y a 7 ans, effectivement, on a fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Adi Shankar à Los Angeles. Mais pas le Los Angeles qu'on peut un peu fantasmer, plutôt ça. Un petit lot qui ressemble à Better Call Saul, où on a rencontré un personnage, c'était Fred Seibert, le producteur de Adventure Time à l'époque, qui m'avait glissé que dans ce petit bâtiment était en train de se produire une série Castlevania pour Netflix, série d'animation adulte, et à l'époque c'était quelque chose de nouveau. Forcément, étant chez Ubisoft et disposant d'un certain nombre de marques vouées à faire de l'animation adulte, j'étais hyper séduit à l'idée. Et donc j'ai été à Los Angeles rencontrer Adi Shankar. Donc Adi, pour vous le situer, c'est lui. Donc c'est quelqu'un de qui est non, c'est quelqu'un de qui est culturellement hyper divers. Il a grandi à Hong Kong, aux États-Unis, au Middle East. Il adore les Saturday Morning Cartoon, les animés, le catch, et il a aussi une hache. Et donc à l'époque, surtout, donc Adi mène avec brio l'équipe de Castlevania. Et rapidement, en fait, émerge l'idée de lui ouvrir un peu le coffre à jouets d'Ubisoft. Donc toutes les marques qu'on peut imaginer, d'Assassin's Creed en passant par Far Cry et autres For Honor. Et rapidement, en fait, il met la main sur une petite marque, un petit projet qu'on a chez nous, qui lui parle beaucoup, qui est Far Cry 3 Blood Dragon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un DLC de Far Cry 3. Et rapidement émerge en fait chez Adi l'envie de créer une proposition nouvelle qui réutiliserait les codes de Blood Dragon, à savoir le néon, le côté synthwave, le côté un peu nanar des années 80, et de confronter ça aux différents personnages d'Ubisoft, et donc faire un mash-up de tout ça, centré autour d'un personnage original et au sein d'une histoire tout à fait originale. C'est là qu'intervient le fameux Captain Lazarok. Et ben, on lui a dit banco. Du coup, sur cette base-là, on a commencé à travailler sur une première itération de Bible littéraire. Donc, très influencée à l'époque par ce DLC de Far Cry 3 Blood Dragon. Notamment, comme vous pouvez le voir sur ce moodboard, on avait vraiment une notion de synthwave, rétro-futuriste, beaucoup de références un peu cyberpunk aussi, très néon, bien évidemment, hein, le rose, le violet, les couleurs principales
de l'idée. Je pense qu'une des meilleures références qu'avait dit avait en tête en termes de ton, en termes d'action, même de côté un peu nanar, c'était Kung Fury, que vous voyez en bas à gauche pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous le conseille, c'est très drôle à regarder. Mais on était vraiment dans cette idée-là, parce que c'est de là d'où venait le DLC. Et sur cette bible littéraire, on avait quand même un monde assez riche, assez ambitieux. Donc il fallait mettre des images dessus. Et on a un peu tourné quelques temps pour trouver des artistes, des studios qui avaient un peu la sensibilité synthwave, justement, et même Saturday Morning Cartoon, animé de l'époque. Et c'est Adi qui nous a conseillé un petit studio espagnol plutôt sympa qui s'appelle Angry Metal. Et c'est vrai qu'eux, ils avaient déjà collaboré ensemble sur des petits projets d'anime. Et eux, le chrome, l'anime, la japanime, surtout, ça leur parlait énormément. Donc ils ont commencé à développer donc les premiers visuels basés sur la bible littéraire qu'Adi avait écrit. Donc Dolph existait déjà, bien évidemment. Il était assez proche finalement de l'idée de ce qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, il a énormément évolué, mais le personnage est assez vite arrivé quand même dans son design. Alors qu'au contraire, le personnage d'Alex était vraiment dans la vibe Miami Vice. Hein, on était vraiment purement dans les années 80. Donc Alex, le petit ami de Dolph que vous avez vu tout à l'heure, le grand blond un peu costaud qui à l'époque était beaucoup plus flic de Miami avec sa petite veste et, en mode violet et rose. Donc il a beaucoup évolué pour le coup justement avec le projet. Mais en dehors des personnages, bien évidemment, il fallait donner un peu le mood. Donc c'est là où on a commencé à faire un peu de concept art. Donc là vous voyez le néon, on est en plein dedans. Donc là, un petit concept art qui nous avait fait avec Dolph et Alex, qui représentait la carte chase que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc on est dans le même mood, mais pas dans la même époque. D'autres petits concepts qu'on avait fait, des décors très inspirés de la synthwave. Mais il fallait aussi intégrer les marques Ubi que Adi avait en tête, et on a commencé à faire beaucoup de recherches. C'était pas mal de réflexions de comment intégrer naturellement ces marques-là. Adi avait beaucoup d'idées, ça se faisait assez naturellement. Mais en termes de visuel, c'était intéressant, on était plutôt contents. On était assez littéral encore par rapport à ce qu'étaient les marques. Je vous présente les lapins kaiju. Pour ceux qui connaissent les lapins crétins, je pense que vous les reconnaissez bien. Mais on était un petit peu trop proches des marques. On aimait beaucoup ce qu'on avait. On avait un intérêt de Netflix autour de la série, mais on sentait qu'il fallait aller un peu plus loin. Et du coup, c'est le moment où on a décroché le téléphone, qu'on a appelé David Alric et qu'on lui a dit « Bon, bah, on a ce petit projet, est-ce que ça t'intéresse ?» Et là, effectivement, il a eu cette phrase qui lui est propre, hein, de dire « Je vois pas, mais je sens qu'il y a du potentiel. » Je ne sais pas ce que tu en penses. Et bonjour, du coup, tout ce gros beau teint arrive chez Bobby Pills avec David qui nous le présente à Balak et moi. Vous pouvez en faire quelque chose de ce truc-là Parce que là, en gros, vous avez une sorte de condensé, mais en vrai, c'était quand même un gros beau teint d'écriture et de visuel qui allait dans tous les sens. Donc en soi, ça peut faire un peu flipper à la base. Mais il y avait quand même un gros potentiel, un gros terrain de jeu. Pardon, excusez-moi. Il y avait un gros terrain de jeu potentiel et surtout une grosse carte blanche hein, de votre part. Et ça, c'était chouette. Ils nous ont vraiment laissé libres de faire un peu ce qu'on voulait. Du coup, le premier truc qu'on a dû faire, c'était un peu hiérarchiser tout ça. Quoi, parce que dans les rêves que vous avez vus depuis tout à l'heure, en fait, quand on parle de Saturday Morning Cartoon, donc je parle aux vieux, hein, pardon, mais il y avait aussi bien des productions américaines de Tortue Ninja, Silver Hawks, à Musclor, et aussi de la japanime ultra quali, quoi, avec laquelle on a beaucoup plus d'affinité avec Balak, finalement. Et du coup, c'est à ce moment-là où on a commencé voilà, à tailler dans le gras. Quoi. Il y avait beaucoup de persos, beaucoup de lieux, beaucoup de backstory. Nous, on a vu ça plus comme une grosse opportunité, finalement, de vieux dinosaures des années 80. Cordialement. De faire ce qu'on avait pu seulement explorer, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les petits trailers qu'on peut faire chez Bobby, ou alors même dans Pipoudou saison 2, Balak s'est fait plaisir avec des animes complètement sakuga,
On avait Sakuga Leader Prize. Hein. C'est ça, ouais, voilà. Donc parce qu'en général, on avait quoi? Environ 200 euros. Ah ouais. De budget. Non, mais il est sympa, il a rajouté un zéro. Mais on pas d'accord. On parle pas d'argent. On parle pas d'argent. Je pensais qu'on devait dire la vérité aux jeunes. C'est vrai. Mais voilà quoi. Du coup, là, c'était un peu le gros prétexte. Oui, mais en fait, quand on a vu le projet arriver avec les références d'Adi et tout ce qu'il voulait faire, il y avait le côté très américain, évidemment, puisqu'il a vraiment une culture aussi à la fois indienne et américaine. Oh mon Dieu, ça fait ça de balak. Et du coup, quand on a vu ces choses-là, il y avait des choses sur lesquelles, je crois que le premier titre sur lequel on a cliqué tous les deux avec Adi Shankar, avec tous les trois, en fait, c'est quand on a commencé, nous, on a dit, ah, on veut faire des OAV des années 90, et il y avait Cyber City Oedo. Par exemple, pour ceux qui connaissent, bon, c'est vraiment une OAV de Kawajiri, des trucs comme ça. Et on s'est dit, ah, ça nous rappelle cette vibe-là. Et là, on s'est excité avec Mehdi. On s'est dit, ah, on va pouvoir faire ce que nous, on aime dans l'animation japonaise, c'est-à-dire tout ce qui était dans les années 90. Et puis, à bout d'un moment, qui a commencé à un petit peu mourir dans les années 2000. Et puis, pour arriver avec ce qu'on a maintenant, ce qui fait qu'à part Trigger et tout ça, maintenant, on a du Moe de partout. Et puis, tous les trucs qui nous intéressent... Tous les trucs qui nous intéressent, en fait, même les Japonais ne le font plus. Donc on s'est dit, c'est l'occasion de reprendre le flambeau, d'imaginer un monde alternatif où les Français auraient repris le flambeau vers 98-2002 et ils auraient continué dans cette vibe-là. Et là, on a commencé à faire des dessins. Donc on est parti, la base Synthwave, on l'a pris à bras-le-corps. On l'a poncé. Voilà, il y a du truc Jojo et tout ça. Là, c'est un des dessins de Santosh, qui est un designer sud-africain qui est très dans le kawajiri. Et on a été vraiment, on a commencé à tordre le projet vers le Saturday Morning Cartoon. C'est pas vraiment notre culture. Sur les dessins animés américains, ce qu'on kiffe, c'est les génériques faits par les Japonais. C'est les Tortues Ninja, c'est les Silverhawks, Cosmo Cats. C'est ça qui est bien. Tout le reste, c'est caca. Donc on a commencé à tordre tout ça vers le côté, non mais les Japonais dans les années 90 c'était vachement bien. Et donc on a vu l'opportunité de se dire une fois pour toutes sur ce projet, on va voir si on peut faire comme eux, ouais. Voire même mieux en fait. On s'en jaillait au début, on était fous. Non, on s'est chié dessus en vrai parce que le premier jour où on a commencé, il y avait l'annonce de Trigger. Qui faisait cyberpunk avec juste une image qui nous défonçait, mais déjà d'emblée, ouais. C'était Seiya contre les chevaliers d'or. Quoi. Il y avait des chevaliers de bronze français qui regardaient les papas qui étaient en train de faire, nous on va faire cyberpunk, et nous on disait, ah zut. C'est clair, mais on a monté les marches hein, quand même. Mais du coup, derrière avec Mehdi, on s'est regardé droit dans les yeux. Et on s'est dit, on va leur montrer. Ouais, c'est ça. Donc perdu, bon. On a raté. Voilà, mais... C'est pas vrai. Non, ça va. En vrai, ça va. Mais en gros, après, on est... Attendez, je slide. Donc voilà. Donc en fait, en explorant les années 80, en s'en éloignant, on est arrivé à 90, donc dans notre ADN, et on est parti encore plus loin, plus proche de 2000, avec des designs comme ça, beaucoup plus Trigger. De Raf Chan. Dead Leaves, ouais, de Raf Chan, qui est un peu charmé. Et du coup, bah, en vrai, cette série... On n'a pris que des gens, on n'a pas cherché de style en vrai, parce que c'est dans notre ADN en fait, on est juste vieux. Et au final, ça aurait pu être designé par Balak ou Raph ou moi. Ou toi. Ou et, au final, c'est ça qui est cool, on a laissé tout le monde libre de dessiner dans son style. Et là, on commençait à aboutir à quelque chose qui disait, c'est plus par là que ça va se situer. Mais on a été trop loin. Et on est parti un peu sur ça, qui ressemble étrangement, du coup, même à Cyberpunk. Hein, c'était fait avant, je précise. Ah oui. Et du coup, là, on s'est dit, c'est cool. Même là, finalement, là, on arrive dans une technologie qui est au-delà des 80, tout ça, machin. Et au final, le gros combiné de tout ça, finalement, ça a été... là, on est revenu sur une sorte d'équilibre à peu près, où on s'est dit, c'est par là que ça se situe, quoi. Il y a une évidence, hein, quand ce design, on l'a montré finalement à Adi. Ouais. Je me rappelle que Adi direct a fait, c'est bon. Et nous, on le sentait aussi. Et du coup, on a fait, OK, c'est l'esthétique. Ouais. Et encore une fois, c'est un concept auquel on croit beaucoup chez Bobby, c'est l'honnêteté. Ça a l'air complètement con et extrêmement américain de dire ça, mais il faut être honnête dans tout ce que vous faites. Et du coup, plutôt que de chercher à faire comme si... nous, ce qu'on aimait pas trop dans les références kung-fu et les trucs comme ça, c'est le côté un petit peu, on se rigole des années 80. Nous, on a grandi dans les années 80, OK. C'est pas rigolo.
Et en fait, ça fumait dans les restaurants, d'accord. C'est voilà. C'est des choses qui nous ont construit. En fait, il y a juste, en fait, il y avait juste à être honnête avec tout ce qu'on kiffait, tout ce qu'on aimait vraiment profondément. Et en fait, le maître, je pense que c'est ça qui a séduit aussi Ubisoft et Adi, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait pas, c'était pas tant référencé pour être référencé, c'est que littéralement on vomissait tout ce qui nous avait construit. Et nous, ça nous a fait du bien aussi. Ça fait du bien, c'est sûr. Mais du coup, voilà, enfin, le design final, en partant de ça, c'est vers le bas. Ça. Donc voilà, pour aboutir au design du Jolly Dolph, Lazaro, qui est une espèce de condensé de toute cette de digestion de toute cette exploration de deux décennies, et le Alex que voici quoi. Et là-dedans, bah là, il nous reste encore un peu de temps, Dimitri, ou ça va? À partir de là, en fait, donc on avait trouvé le design, grosso modo, qui nous plaisait. À partir de là, c'était qu'est-ce qu'on fait du côté cyberpunk, en fait. Parce que même chose, l'univers d'Adi est tellement riche qu'entre Kung Fury, déjà ça a déjà été fait, base, nous, faire des trucs qui ont déjà été faits, c'est pas forcément un kiff. Et du coup, il y a eu ce truc, comment, qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là, quoi. Et au final, je crois qu'on s'est barré un peu pour assumer beaucoup plus le genre, parce que le Kung Fury, on est beaucoup plus sur du clin d'œil, du second degré, etc. Nous, on voulait un peu plus assumer, parce que finalement, on voulait se rapprocher des persos, de l'histoire, on en parlera plus tard. Mais voilà, quoi. Du coup, c'était ramener le punk du cyberpunk, au final, quoi. Enfin, plus que cette espèce d'univers un peu rigolo. Et puis oui, c'est vrai que cette magnifique formule, remettre le punk dans le cyberpunk, c'est un truc qu'on comprenait vraiment au premier degré, surtout vu la réputation qu'a notre studio. C'est vrai qu'on est un petit peu à la marge, à la frange, et on veut toujours assumer ça, y compris sur des gros projets. Et là, c'était le projet parfait pour ça. C'est-à-dire que Adi, ce qu'il avait amené, c'était vraiment un truc, quand on a lu toutes ces idées, et quand on a vu aussi Ubisoft, qui était complètement... On les regardait en disant, vous êtes sûr? Et ils faisaient oui. Et on disait oui. Ouais. Et donc du coup, il y avait un côté, vraiment le côté carte blanche, on l'embrassait. Et le punk, il était là aussi. C'était un petit peu comme si Walt Disney arrivait et nous disait, bah, écoutez, tout ça, tous les trucs, là, vous faites ce que vous voulez. Et on leur dit, vous êtes sûr? Ils disent oui. Et après, on l'a vu dans toute la prod, c'était vraiment vrai. Donc le punk, il est là. Je pense que vous n'avez pas idée. Ils nous ont même poussé. Non, mais ça va pas. Ça passera jamais. Non, si les gens d'Ubisoft regardent, on est responsable de rien. Ah oui, pardon. Alors, est-ce que pour la peine, on pourrait avoir une petite minute de test d'animation? D'accord. C'est formidable. Ce serait pas mal. Moi, j'avais encore 15 pages, mais ok. Ouais, je m'en doutais, c'est pour ça que. Toi. Quand on veut. Alors, ce que vous venez de voir, en fait, c'est le premier test d'anime qu'on a fait sur Captain Lazaro, qu'à l'époque, on appelait juste Blood Dragon. C'est en fait, quand on s'est mis d'accord avec Adi, avec Ubisoft, de dire ça nous intéresse. Et du coup, ils nous ont dit, il faut effectivement montrer ce que vous savez faire, parce que jusqu'à présent, ce que vous savez faire, c'est les cassos et des beats. Donc, essayez de. Vous pouvez faire les trucs compliqués comme ça. Et du coup, on a fait oui, bien sûr, pas aucun problème. Et du coup, il fallait montrer patte blanche, parce que nous aussi, il fallait nous prouver
c'est bien joli d'avoir des envies, c'est bien joli d'avoir d'être né dans cette culture, d'avoir baigné dedans, mais entre ça et savoir le faire, il y a quand même un monde. Et du coup, on a pris quelques semaines pour pouvoir faire ce test et montrer, voilà, patte blanche. C'est que oui, on peut le faire, oui, ça va être cool, oui, ça va avoir une bonne gueule, oui, Dolph, il est magnifique. Voilà, et ça a été aussi, on, comme vous l'avez vu, on a testé aussi des choses qui sont dans l'ADN de la série, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais ça a été le moment déterminant où je pense que tout le monde s'est dit à peu près, oui, non, mais ça va, ils savent après ce qu'ils font. Peut-être. Alors Hugo, ça, ce test t'a permis de rencontrer Netflix? Alors non, et on avait déjà rencontré Netflix. Oui, alors, bien sûr. En fait, je pense que ce qui est important dans tout ce qu'on va dire aujourd'hui, je pense que vraiment les mots de carte blanche et de Paris sont assez importants. Mais pas de Paris. Non pas que ce soit fou, mais il faut effectivement remettre en situation. À l'époque, Bobby était vu comme transgressif, un peu fou, et il l'était, et c'est pour ça qu'on est parti les voir. Et ce test a effectivement rassuré tout le monde et permis aussi d'aligner les envies créatives, de comprendre ce qu'on voulait faire exactement, de voir d'où on partait, à savoir de l'environnement créé par un super créatif chez Ubi qui s'appelle Dean Evans, qui était parti d'une envie d'années 80. Mais là, on était au moment où on se parle, on est déjà en 2021, le jeu est sorti depuis 6 ans. Donc en fait, nous, on avait ce besoin aussi d'aller plus loin, de changer de braquette, changer un peu de mood. Et donc ça a été un plaisir de collaborer avec Bobby là-dessus, dans la réflexion sur les refs, sur qu'est-ce qui fait que le show n'est pas juste effectivement un pastiche, mais bien un show en soi qui se tient et qui est effectivement hyper référencé sur les années 90. Et effectivement, ça nous a pas mal aidé d'être beaucoup de quadras autour de cette table. Puis donc effectivement, c'est ça qui a permis de rassurer Netflix. Et d'ailleurs, je tiens à profiter pour remercier Netflix qui a été tout au long du projet un partenaire hyper collaboratif qui nous a fait des feedbacks particulièrement intéressants et constructifs. Et je voulais remercier en particulier des gens qui ne sont pas là, Marisa et Dylan, mais ils ont été vraiment nos meilleurs avocats et des super partenaires sur ce projet. Voilà. Alors, cela est tout dit, et on a compris Blood Dragon et Captain, mais le remix, c'est quand même un challenge énorme. Comment ça s'est développé? C'est une très bonne question, c'est un très bon point, en effet. Bon, je pense que le test d'anime, déjà, sur le style, est assez parlant. Je pense que vous n'avez pas vu que de la 2D dans ce test. Il y avait en effet tout un enjeu qui venait déjà un peu des scripts. Adi avait pas mal amené de notions de changement de style. Alors forcément, il avait évoqué du pixel art. C'est un peu le premier truc auquel on pense quand on pense rétro gaming. Et c'est vrai qu'avec les discussions avec Bobby Pils, avec Mehdi et Balak surtout, on avait aussi commencé à évoquer du Lopoli, le style PS1, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et le test d'anime, ça permettait aussi de se poser la question de la grammaire, de tout ça. Donc ça, je leur laisserai parler un peu plus de ce sujet-là et de toute leur réflexion autour de ça. C'était assez intéressant. Mais pour nous, on était vraiment dans un remix de plein de choses. Donc le vieil animé des années 90, le pixel art, bah forcément le gaming, on est Ubisoft, on ne va pas se le cacher, c'est un peu notre domaine à nous aussi. Y avait forcément, au-delà de ça, il y avait, en plus du style, il y avait aussi un mix de genres. Vous avez pu le voir dans le premier extrait qu'on vous a montré au début du WIP et même ce test d'anime. On est dans des mix de genres, il y a de l'action, il y a des moments d'humour, donc vous allez peut-être voir d'autres petites choses où vous verrez un peu plus la comédie qui sera peut-être plus empruntée justement au Sato des Morning Cartoon, au Tortue Ninja, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez présent au cœur de la série, cette néo-nostalgie, ce mélange de visuels, de genres, de narration. Et bien sûr, donc comme je vous disais, le mélange de styles. Le sujet encore, donc j'en parlais tout à l'heure, hein, les marques Ubisoft bien évidemment sont dedans, mais il fallait, comme je disais, aller plus loin dans comment se réinventer au niveau des marques Ubi, comment les intégrer, et puis forcément il fallait un peu les altérer un tout petit peu, les tordre un peu et trouver comment naturellement on allait pouvoir en faire quelque chose de pertinent dans ce monde-là. Donc on a plusieurs références, je pense que pour ceux qui ont vu le teaser du Forward, vous avez sans doute repéré une grenouille assassin dans le teaser, que voici.
Mais on a une autre petite référence qu'on aime beaucoup, nous, que certains ont noté, j'ai vu sur Internet, sur Twitter, tout ça, la petite référence au Rainbow Six, qui, donc pour le petit clin d'œil, s'appelle les Ninja Six dans la série. Faut savoir qu'en japonais, Ninja, ça veut dire Rainbow et 2D. Donc ça marchait super bien, on est très contents de cette référence-là. Et en fait, cette notion de remix, ce qui est intéressant, c'est qu'en la discutant au cours du projet, on s'est rendu compte que ça faisait, en fait, c'était déjà des choses qu'on avait un peu creusées chez UBI, chez UFT. On avait lancé un programme de court-métrage sur les lapins crétins, dans lesquels justement on avait laissé un certain nombre de talents, qu'il s'agisse des Souviens-t'en-en, de Meet Department, mais aussi de Most Tape, Explosum et autres. Cette notion de carte blanche en leur disant qu'on voulait, voir les lapins vus par, donc on avait vu par 10 différents studios à travers le monde. Et cette logique de remix, de confier entre guillemets des IP et des personnages et des designs à des créateurs, pour nous c'est fondamental parce que on parle en partie à nos fans qui ont passé des dizaines d'heures à jouer à nos jeux. Qui ont un rapport très fort à ce jeu. Et donc, nous, notre mission, c'est d'étendre les mondes, la narration, de raconter de bonnes histoires, bien sûr, mais aussi donc de prendre un pas de côté par rapport à ce qui serait attendu et d'essayer tant que possible de surprendre. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire une fois encore à travers ce projet. Et je pense que c'est cette notion de remix en fait qui permet à la vision d'Adi d'être sublimée par l'envie créative de Mehdi et Balak et vice versa avec nous au milieu qui sommes là pour challenger tout ça. Je pense que c'est ça qui a fait et qui fera la richesse de ce projet. Une petite question à ce sujet. Est-ce que ça permet quand même à ce qui a été remixé de garder sa personnalité et sa vie sur le long terme? Ça, on va le découvrir. Mmh. Moi, je pense que ça a tous les ingrédients pour, parce qu'en fait, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que ça vient s'inscrire dans une histoire. Vous allez vous attacher à cette grenouille. Elle va vous faire rire, pleurer. Et je pense que c'est ça la clé en fait de l'attachement à des personnages. J'espère. Générer de l'émotion, absolument. Exactement. Alors, Mehdi, ouais. Cause-nous Merci. Un petit peu. Ouais, je voulais revenir rapidement sur les changements de style qu'on a dans la série. Donc là, sur le teaser, vous avez vu qu'on avait exploré aussi bien du chibi que du pixel art que de la 3D PlayStation 1. Il y en a beaucoup d'autres dans la série, beaucoup, beaucoup. Mais avant de faire des changements de style, en fait, il faut trouver un style parce que dans le test anime que vous venez de voir, il y a deux persos et un décor, en fait, grosso modo. Et du coup, j'aimerais parler du duo pour le main pack design qu'on a fait. Donc, j'étais au character design et j'avais un directeur artistique qui s'occupait de tout l'univers des décors qui s'appelle Antoine Biro, qui est à Barcelone, qui devrait être à cette table d'ailleurs. Ce gars, il a un CV pas possible. Enfin, il a été au Gobelin avec nous d'abord, donc il peut animer des persos, etc. Mais son kiff est vraiment dans les décors, etc. Et pareil, en fait, si vous regardez les décors de la Japanime, enfin, c'est quand même tanké, quoi. C'est quelque chose d'assez solide. Et c'est toujours cette même question de comment on va faire. Et Antoine est venu avec plein de solutions en surfant toujours sur l'univers de Adi, donc dans le cyberpunk, en fait. Il a ramené une sorte de côté brutaliste. Vous regardez l'immeuble en haut à gauche, là, enfin, cette espèce de gros bloc hyper simple, enfin, toutes ces références qui sont en haut à gauche. Ça, grosso modo, c'était la référence qu'on donnait aux artistes qui passaient le test en décor. Et on s'est rendu compte dans tout ce qu'on kiffait, en fait, c'est dommage, on ne peut pas zoomer, mais en bas à gauche, moi j'avais été voir l'expo Ghost in the Shell et j'avais vu tous les décors et j'avais halluciné de la taille des feuilles. Enfin, c'était ça, ouais. C'était tout petit. À la peinture, à la gouache, et grosso modo, il y avait un côté très impressionniste, en fait, où il mettait le détail seulement sur le point de focus, et tout le reste était très loose. Et du coup, on n'avait aucun BG clean, en fait. Donc, ce que vous voyez sur la droite, au trait, au niveau de gris, c'est le... Bon, malheureusement, on ne peut pas zoomer, mais c'est vraiment très, très rough. Et les artistes en couleur, après, vont venir jouer avec la couleur sur tous les petits crayonnés, machin, pour amener
de la texture et mettre en valeur ce qu'il faut, quoi. Donc Antoine a réussi le challenge, en fait, à tomber, bah, franchement, dans la série, s'il y a vraiment un truc qui est au-dessus, pour moi, de tout ce que j'ai vu, c'est vraiment, enfin, la qualité des décors est juste complètement dingue. Et c'est vraiment grâce à lui, ce truc-là, quoi. Du coup, je bascule sur les... une fois qu'on avait notre style, donc on avait nos persos, donc, qui étaient, voilà, dans la vibe de tout ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure. Les BG par Antoine, complètement impressionniste et cyberpunk. À partir de là, du coup, les changements de style, c'était déjà présent dans le script de Adi. Mais il y avait toujours ce truc de ça allait dans tous les sens, quoi. Enfin, ça allait dans toutes les plateformes, tous les jeux, niveau de pixels qui varient dans tous les sens. Je crois qu'à un moment donné, je me demande s'il n'y avait pas de la stop motion même. Ah oui, il y avait complètement la stop motion, il y avait tout ça. Effectivement, au bout d'un moment, tu vois, en fait, Adi, c'était vraiment le savant fou qui met tout. Il y a plein de choses qui où tu fais ça, c'est cool, ça, il va falloir te calmer, mon garçon. Et en fait, on a essayé de hiérarchiser notre boulot. Ça a été de hiérarchiser par rapport toujours à la narration et ce qu'on racontait. Et voilà, il y a les envies artistiques qui sont là. Et puis, il y a aussi ce qu'on doit raconter une histoire. Donc, il faut que quand il y a un changement de style, ça veuille dire ça. Quelque chose. Et aussi, les changements de style nous permettaient beaucoup de choses dont on parlera plus tard, mais qui entre autres choses, comme vous avez vu, la série est très, très compliquée à produire, et les changements de style nous permettaient aussi d'alléger un petit peu la production. Donc il y avait des choix à la fois, il y avait tout le triptyque auquel on doit toujours penser quand on fait de l'animation, à n'importe quel niveau, c'est le côté, il faut que ça soit beau à propos, que ça rentre dans le budget, que ça sauve le budget, mais vous aussi, et puis que ça ait un sens narratif toujours, que ça soit jamais gratuit. Ouais, c'est ça. C'était, on va être complètement honnête. Hein. Donc ça, rapidement, c'est la digestion du coup du travail d'Antoine. Ça a l'air ultra compliqué comme décor. En fait, c'est hyper facile à faire. Non, oui. Non, mais en gros, c'est assez rigolo comment il a réussi à prendre des formes hyper simples et juste avec des pinceaux pour des néons, des logos, des machins, à habiller un truc. Mais quand vous zoomez dans l'image, vraiment, c'est très, 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 très bref. Bref, et du coup, ouais, complètement honnête sur les changements de style, oui, on avait cette espèce de volonté sincère, encore une fois, à dire non, ça doit être motivé par la narration, etc. Donc, effectivement, le premier truc qui est venu en tête, vu que c'est une dystopie, il y avait le côté très référencé à Verhoeven. Donc Robocop, Starship Troopers, etc. Donc il y a beaucoup de propagande, donc on a fait plein de faux trailers, plein de fausses pubs, des prisons en VR, etc. Donc là, ça, c'était complètement à propos. Mais après, si on est complètement honnête, oui, il y avait des moments où c'était production friendly, en fait. Et du coup, ça va être compliqué à faire, viens, on le fait en pixel art, ça va le faire. Et voilà, quoi. Du coup, on s'est retrouvé à bosser avec des collectifs parce que nous, on a pu poser des idées au storyboard. Déjà, c'était cool. On laissait les storyboarders et Balak aussi, qui a quand même une bonne culture jeu vidéo. Chacun ramenait un peu son univers dans les storyboards. Mais après, quand il fallait l'exécuter et le faire, c'était cool de pouvoir laisser faire des gens qui savent, en fait. Donc, on a cherché des gens un peu sur Insta, etc. Et on a. Ah pardon, excuse-moi. Ouais non, juste pour t'interrompre, pour le plaisir. Deuxième sneak peek. Allez, ouais, on y va. Les ouais, images parlent mieux. Allez, on y va. C'est pas mal, hein? Pas mal, ouais. C'est français. Ouais. Ouais, ouais. C'est local, en fait. Capitaine Faucon, enfin, laser. Presque. Alors, c'est un challenge créatif absolument énorme. Mais, cher directeur de production, t'as dû souffrir, non? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, un peu. Effectivement, à la prod, on a un peu souffert sur ce projet, mais ça s'est quand même plutôt bien passé au final. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, c'était un gros défi pour le studio, parce que c'est le premier projet aussi massif qu'on a pu avoir en termes d'échelle. Je parle d'échelle de temps, je parle d'échelle d'artiste,
d'éléments à fabriquer. On n'avait jamais fait ça. On était plutôt habitué au format court, donc Cassos, Flab, Vermin, tout ça, c'est ça, on commençait à connaître. Mais faire 6 fois 22 minutes, c'était un peu la première fois. Pour un studio, comme dirait notre directeur de studio, Pierrot, on est un peu un studio boutique. On est très souple, on est très débrouillard, mais on manque de rigueur et de méthode. Enfin, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Le trailer qu'on a fait, en définitive, on parlait d'un test d'anime, mais au final, c'était plutôt un trailer, comme le disait Balak. On s'est plutôt concentré sur le fait de convaincre qu'on était capable de faire ce type d'image-là. Mais on s'est concentré sur le look et on ne s'est pas vraiment concentré sur le workflow et le pipe. Et l'argent. Voilà. Voilà, on est parti sur ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et avec pas mal de naïveté aussi. On a fait beaucoup d'erreurs dès le début. Dans une prod, quand on fait des erreurs au début, généralement, on les paye jusqu'au bout. C'était la première fois qu'on fabriquait ce volume-là. Et donc ça a été, l'avantage c'est que ça a été un très très gros apprentissage pour tout le monde. On a eu la chance d'avoir des équipes qui sont adaptées à la situation, qui ont été super souples, tous capables de toucher leur pied avec leurs mains. Et donc on a pu faire ça. C'est bien, personne n'a compris cette vanne. C'est juste l'expression de chauve, c'est pas grave. On a pu avoir le rendu attendu malgré la difficulté. Comme on l'a vu là, donc avec le trailer, le niveau attendu était quand même très très élevé et la question qui s'est posée quand on a commencé les premiers BG, c'était comment on fait de l'industrialisation, c'est bon, de ça en fait. L'exemple qu'a cité Mehdi est très bon, c'est-à-dire que Antoine a trouvé l'idée de, en fait, plutôt que de faire du BG. Le BG line n'était pas clean, il était rough, et en fait ça permettait d'atteindre les quotas et on avait quand même une esthétique super intéressante. Ça a été le cas aussi donc, effectivement avec les changements de style. Pas avec les persos. Hein. Non. Ah, je me suis chié sur les persos, c'était juste dur en fait. Ouais. Effectivement, voilà. On a passé notre temps en fait à s'adapter à la situation, à un petit peu improviser, ce volume-là, on ne connaissait pas. On a constamment adapté le pipe qu'on avait un peu fait à la situation, à l'ambition, au planning, au budget. À titre d'exemple, les premiers budgets que j'avais fait, j'avais pas de posing, j'avais juste de l'anime en fait. On se disait que les animateurs allaient faire leur plan dans leur intégralité. Et puis, à force de discussion et de travail, on s'est rendu compte qu'il fallait revenir à quelque chose d'un peu plus traditionnel, entre guillemets, et réintégrer du posing, avoir de l'anime rough et avoir une grosse équipe d'anime assistana. Comme ça a marché. C'était difficile, mais ça a marché. Et ça représente une équipe de combien de personnes? Au final, on devait être autour de 90 personnes en tout. Oui, et puis même pour le studio, j'avais jamais eu autant de personnes à encadrer. Donc c'était beaucoup de découvertes à beaucoup de niveaux. On a eu aussi d'autres petites difficultés, c'était le recrutement, parce que c'était une époque où on avait beaucoup de concurrence. Il y avait Mars Express. La semaine saison 2. Merci, super. Allez vous faire foutre. 20 sur 20. Génial. Donc au final, voilà, ça, merci. C'était très difficile. Heureusement, on avait quelqu'un comme Séverine Verlet qui avait beaucoup de contacts, qui a permis de contacter beaucoup de gens pour les recruter. Par la suite, on avait aussi Mathilde Chambras qui nous a trouvé aussi beaucoup de gens pour finir le projet. Donc heureusement. Et ce qui nous a pas mal aidé aussi, c'est l'aspect protéiforme du projet. En fait, cette espèce d'ovni, ça a convaincu pas mal de monde de nous rejoindre. On a eu beaucoup de gens très très enthousiastes, très patients et très souples. Je l'ai dit, je le redis encore. Non, je ne la referai pas.
Et donc voilà, et donc ça, voilà, ça a pu se faire aussi grâce à ça. Et aujourd'hui, malgré, donc ça a duré 3 ans, c'était dur. Mais aujourd'hui, en fait, enfin, alors, je sais pas forcément les autres. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai envie de recommencer parce qu'avec ce qu'on a appris, j'ai envie de voir maintenant ce qu'on est capable de faire. Parce que je me dis qu'on peut faire encore mieux. Et j'ai envie de voir ça. Oui. Voilà. Vive le futur. Vive le avec futur. Moins de souffrance. Donc Claire, justement, petite question pour toi. On peut se dire, ça va pas être facile d'éviter une sorte de fin de service, c'est-à-dire une accumulation de références, et puis un projet qui parle à tous et à toutes, avec des personnages et puis des storytelling très forts. Alors comment ça va se passer ? C'est vrai que c'est assez important de ne pas tomber dans l'avalanche de références, le name-dropping tout le temps de personnages de marque d'Ubisoft. Déjà, pour nous, ce n'est pas plaisant. Je pense qu'en termes de narration, c'est assez nul. Et pour le public, c'est un peu les prendre pour des pigeons. Donc, ce n'était pas le but. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était faire une série canon avec des personnages forts, avec lesquels on grandissait au fur et à mesure des minutes, des épisodes. Donc je pense que le fait qu'on ait un nouveau setting, un setting original avec un personnage lead nouveau, ça permet aussi justement de ne pas être que dans un espèce de film publicitaire géant de marque d'Ubisoft. Le fait qu'on les ait aussi remixés complètement à une autre sauce, tout en gardant l'essence de ce qu'est les marques qui sont censées représenter, je pense que ça aide énormément à éviter cette démarche-là. Nous, c'est vrai que, bah, comme disait Hugo tout à l'heure, on n'est pas là pour faire du jeu, on est là pour faire des bonnes séries, pour essayer de parler du monde du jeu vidéo, de parler de certaines de nos marques de la façon la plus intelligente possible en étant dans nos mondes. Une autre façon d'intégrer les marques qui n'était pas juste de la référence de personnages, c'était aussi de réutiliser des thèmes qui venaient des jeux. Donc pour ceux qui connaissent l'Assassin's Creed, je pense que vous connaissez tous l'enjeu assassin, templier, l'ordre versus le chaos. Le chaos, c'est des choses qui reviennent dans tous les Assassin's Creed, c'est des choses qui sont aussi au cœur de l'histoire, qu'Adi a vraiment intégré dans la narration. Il a fait la même chose aussi avec Watch Dogs, qui est beaucoup sur cette espèce de rébellion face au système. On est quand même dans Eden, un système totalitaire qui a pris la place des États-Unis où les gens n'ont pas toutes les libertés. Et il y a aussi cette notion de révolution avec un personnage comme Marcus qu'on a pu voir dans le teaser de Ubi Forward. Et enfin, bah, je pense que, comme je disais, la notion des personnages originaux, c'est hyper important. Et Dolph et Alex, c'est des personnages qu'on suit. C'est très character-driven malgré tout. On s'attache beaucoup à Dolph, moi la première. Et je pense que le travail que Mehdi et Balak ont fait en les faisant grandir, en les créant visuellement et en travaillant main dans la main avec Adi, ça a été vraiment un échange entre eux. Ça n'a pas été Adi, il a pondu une Bible, il a fait des scripts. Et après, il a tout balancé à Bobby. Non, il y a vraiment eu un échange entre eux. C'est ce qui a permis de créer des personnages qui avaient du sens et qui dans l'histoire, peuvent emporter le public, en tout cas, et pas juste donner l'impression d'être une série Ubisoft. Voilà. Donc, je vais leur laisser parler de ça, justement. C'était tout. Pardon. Ouais, pour pour toi, Mehdi et Balak, je vois qu'il y a toute une liste de questions qu'il faudrait qu'on discute, mais le temps vole. Et je vois 2 points qui me paraissent vraiment importants. De parler de l'humour, le basculement, comment ça s'est passé d'intégrer de l'humour dans l'ensemble de ses caractères et des scènes. Bon, déjà, j'adore l'humour, je trouve ça super. c'était. Je te passe le mic après, mais le premier truc, c'était de définir c'est quoi l'humour, parce qu'en venant de la Japanime, nous, au bout d'un moment, ça nous gonfle un peu l'humour à la japonaise, puis on voulait faire juste. En fait, c'est à chaque fois la même chose, c'est question de motivation. En fait, c'est à quel moment ça s'y prête. Et là, on avait une sorte de gros show cyberpunk, beaucoup plus premier degré et plutôt dramatique. Au final, on raconte quand même un drame. Et nous, ce qui nous manque cruellement souvent dans les drames, c'est que c'est pas marrant, ça se prend très au sérieux. Et là, comme tout le monde sait, hein, si on se prend beaucoup au sérieux, ben, c'est terminé. Hein, Jean-Michel ? Absolument, Ahmed. Salam alaikum. Alors donc non en fait le truc qui de toute façon l'humour il arrive naturellement parce qu'on est, on a toujours fait ça, c'est littéralement dans l'ADN du studio, c'est dans l'ADN des gens qui font on a toujours été, on peut pas s'en empêcher parce qu'on est des cons
Et aussi parce que c'est une balance, enfin, je veux dire, dans n'importe quelle situation de la vie, la plus dramatique possible, il y a un truc, il y aura toujours un moment, enfin, on rigole aux enterrements, on rigole dans les trucs les plus. Enfin, ça fait partie du bordel. Donc, faire une série sans humour, c'est juste impossible parce que ça fait juste partie de la vie. Et donc nous, évidemment qu'il y aurait eu de l'humour. D'ailleurs, vous avez dit de nous calmer au bout d'un moment parce que c'est vrai qu'on est un petit peu trop. Voilà. Mais c'est une série qui est juste. Voilà, on prend les personnages au sérieux, on prend leurs émotions au sérieux. Et donc, je rebondis parce que pour l'humour, oui, on a fait les cassos, on fait pipoudou et tout ça. C'est vrai que juste on peut pas faire autre chose que glisser une petite vanne de ci de là. Mais nous, le premier point d'entrée sur cette série, la chose qui a été la plus importante et déterminante sur pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça, au-delà du style, au-delà d'avoir des quarantenaires qui font « on va pouvoir faire du manga ». Non, c'était vraiment Adi avait amené cette relation qui est entre ces deux personnages que vous voyez à l'écran, qui sont Dolph et Alex. Et quand tout le show tourne autour de ces persos, en fait. Et tout le show tourne autour d'un concept qui est très simple, sur lequel, avec Mehdi, on a cliqué tout de suite, c'était comment est-ce qu'on se remet d'une relation toxique. C'est con, dit comme ça, mais on sent. En fait, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je m'en fous des dystopies cyberpunk. Voilà. C'est des tropes. Voilà, c'est très bien. C'est une arène. C'est un terrain de jeu. Ce qui compte, c'est les personnages. Et ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent. Et en fait, il y a cette relation là sur lequel, avec Mehdi, on s'est enjaillé tout de suite parce qu'on a tous vécu des relations de merde. On a tous été le connard ou des deux côtés. Et en fait, il y a toujours eu un moment où on a dû se remettre de ça. Où on a, voilà. Et en fait, cette série, pour moi, on doit le remettre. C'est un peu comme quand, je vais balancer les gros noms, mais c'est comme quand Otomo dit de Akira, Akira, c'est une relation d'amitié qui part en couille. Et vous pouvez trouver, c'est cité en Wikipédia, j'en sais rien. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que c'est bien. C'est parce que après, comment ça marche, Neo Tokyo, tout ça, oui, ben, si tu veux, va sur Reddit et puis va trouver des incohérences, je m'en fous. C'est ce qui compte, c'est ça, c'est l'humain. Et là, ce qui compte, c'est ces deux personnages, ce qu'ils vont vivre. Comment est-ce que effectivement ils vont se remettre et d'une relation qui part en couille. Mais ça a été vraiment la porte d'entrée où on s'est dit, au-delà du style, au-delà du terrain de jeu, au-delà du côté au changement de style omnibus qui nous plaisait beaucoup, c'est on a un truc à vomir aussi là-dessus. On voulait juste les revoir déjà. Enfin, on voulait qu'à la fin de chaque épisode, on veut que vous y attachiez vraiment fortement pour avoir envie de les revoir. Et aussi, merde, j'avais un super point. Attends. Tu le gardes peut-être pour tout à l'heure. Ah merde, putain, il était hyper bien, c'était con. Putain. C'était la super ponctuation, Dimitri, je te jure. Formidable, impeccable. Juste une question avant de passer la parole à Hugo, parce qu'il faut malheureusement qu'on avance et que nos amis dans l'audience posent leurs questions. Qui a le final cut dans toute cette histoire? C'était une question. On passe non. Non. Je pense que ce qu'on a tâché de faire tout au long du projet, c'est de laisser au maximum le final cut à Mehdi. Je pense. Après, il y a forcément des os. Comment? Mito. Des os. Non. Ouais. Une fois encore, c'est ce que je disais au préalable. Pour moi, ce show, il a quand même une particularité qui est qu'il a été très organique dans sa création. Je spoil un peu ma conclusion, mais qu'il a été la confrontation d'univers et de gens qui viennent de backgrounds très divers, de lieux très divers, de cultures très diverses. Et je pense qu'au final, moi, ma fierté, quelque part, c'est d'avoir réussi à faire coexister toutes ces choses et à avoir à chaque étape, en fait, j'ai l'impression, amélioré l'étape précédente. Donc selon moi, c'est la grande réussite de show, c'est la preuve qu'on peut, avoir plusieurs... créatifs, créateurs sur le projet qui itèrent. Après, bien sûr, je veux dire, la balle est entre les mains de Mehdi, puisque c'est le réel. Mais c'est... Non, mais en fait, pour ajouter là-dessus, je trouve que ce que tu dis est juste, c'est juste qu'à un moment donné, tout le monde a lâché l'affaire sur un truc à un moment donné. Enfin, je veux dire, tout le monde s'est tellement approprié, il y avait tellement un truc, tout le monde pouvait mettre tellement de lui dedans. Il y a un moment donné, en tout cas, moi, je sais que pour ma part, il y a un moment donné, j'ai fait OK. C'est vraiment un projet collégial. Collectif. En fait. Mais vraiment. À tout point de vue, je veux dire, c'est pour ça qu'on a laissé dessiner tous les caractères designers ensemble, dans leur style. C'est pour ça qu'on a fait appel à
des collectifs pour les changements de style. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu réécrire toute l'histoire d'Adi Shankar, mais qu'on a essayé de la comprendre, essayer de vraiment de mélanger tout ça. Et au final, moi, je suis hyper fier, justement, de... Bah, ça s'est passé même au niveau des équipes, hein, pas juste au niveau de ceux qui prennent des décisions et qui réalisent, etc. Mais vraiment, chaque artiste a pu vraiment, je l'espère en tout cas, mettre quand même un peu de lui dans ce projet, quoi. Et moi, je l'adore dans ses inégalités, en fait, ce truc. C'est, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, y a plein de projets que je regarde de mon enfance qui étaient complètement pétés, quoi, des épisodes de Cobra complètement à l'arrache. Mais ça fait partie du charme, quoi. Et aujourd'hui, moi, je peux vous les, un par un, je peux vous montrer tous les trucs qui me dérangent dans cette image. Mais au final, On s'en bat les couilles. Pas mal comme mot de conclusion. Hugo, tu veux rajouter quelque chose ? Mais vraiment, non, un mot de conclusion. Là. Une fois encore, pour nous, c'est un bel achèvement d'être tous ici. On ne va pas se mentir, c'est une énorme fierté d'être sur cette scène à présenter ce projet, parce que je pense qu'effectivement, on assume toutes les images, tous les dialogues, toutes les intentions musicales. On n'a pas cité aussi Liane, mais c'est un... Oui. C'est le compositeur du show et il a été un partenaire créatif, hein, je pense, hyper intéressant pour Mehdi également. Donc voilà, je pense qu'on espère que vous serez surpris, on espère que vous rirez, on espère que vous serez ému, parce qu'on pense qu'en tout cas, on a fait tout pour. Voilà. Alors, on met la lumière dans la salle. Ouais, bravo! Grande lumière. Allez, quelques rapides questions. Le micro est certainement tout proche. Qui a une première question ? Oui, vous vous levez pour poser la question, c'est obligatoire. 1m90, 50 kilos, non, c'est pas tout à fait ça. On m'entend ? Ouais, c'est bon. Bonjour, déjà, merci pour la presse, super cool. La question évidente, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas une envie de faire un jeu de fou avec ce style d'anime, avec du gameplay différent par moment, de la ciné, peut-être du cross-média, je ne sais pas, mais en tout cas, Hugo. Ça s'y prête bien quand même. Je n'ai pas le droit de parler de... Non, c'est le moment où j'ai des points qui arrivent sur des points rouges sur moi. Là. Non, effectivement, il y a cette envie un peu folle pour nous derrière de... au sein d'Ubisoft, de se dire que justement, on peut être nous aussi moteur dans la création, comme on disait, d'histoires, de personnages et de nouvelles choses. Effectivement, on y voit plein de promesses et plein d'envies. Si vous nous demandez, je pense qu'on a 70 idées à la seconde là-dessus. Mais comme tout, on laisse le show parler, on attend de voir ce qui va se passer et on prendra ce qu'il y a à prendre. Si vous faites un jeu de bagarre, nous on est chaud. Hein, ouais. Est-ce que vous pouvez faire un jeu Bullfrog ? Parce que moi j'ai 44 ans, j'aimerais être propriétaire. Et vu que j'ai fait la voix, du coup je pourrais peut-être avoir un peu de thunes. Ouais, ça on va voir. Avec, on bon, va, allez, c'est question je vais t'envoyer mes avocats. Ouais, merci. Claire, comme le temps vraiment avance malheureusement trop vite, tu as quelque chose à annoncer aussi ? Oui, tout à fait. Alors, je pense que vous avez remarqué à vos places, vous avez trouvé des petites cartes Panini. J'espère que vous allez les ouvrir et découvrir les stickers que vous avez. Donc, vous en avez tous potentiellement de différents, hein, c'est aléatoire. J'espère que vous trouverez les paires qu'il est possible d'avoir. Et certains d'entre vous, trois exactement, ont eu aussi un petit golden ticket avec leur Panini qui leur permet d'avoir un prix spécial sur scène. Donc, je voudrais bien que les personnes qui ont eu ces tickets lèvent la main et se lèvent. Peut-être que c'est des personnes qui sont parties. Et c'est pas grave, je garde tous les cadeaux. Ils sont attachés normalement aux petites pochettes Panini. C'est un peu comme Charlie à la chocolaterie. C'est un petit golden ticket. Putain, on a bien fait le truc, personne là en fait. Il n'y a pas de cadeau parce qu'on en avait pas. Vous pouvez poser des questions pendant que vous cherchez. Oui, tout à fait. Mais surtout, on peut les applaudir très très fort et les remercier de cette... très généreuse présentation. Je crois que je vois une main qui se lève là-bas. Je sais pas si c'est pour une question ou pour le ticket. Ce qui fait le bonheur de ces Work in Progress, c'est ces échanges. Désolé pour les questions, mais vous allez pouvoir les trouver à la sortie. Vous allez, si je ne me trompe pas, sortir par là. Alors, puisqu'il n'y a pas de gagnant, ce sera au plus chanceux. Il n'y a pas de gagnant. Si ? Ah bah viens sur scène, s'il te plaît. Ah. Et les deux autres, ce seront pour les chanceux qui les attraperont. Bravo. Alors, qu'est-ce que c'est le cadeau ?
offert par une voiture. Mehdi Lefad, réalisateur du show. C'est une carte d'identité, ça. Hein. Vas-y, Mehdi. Non, c'est pas ça. Ah ouais. Voilà. Donc. Que le monsieur est là. Donc tu peux lui offrir. Donc il s'agit de Peluche Bullfrog. Qui est adorable, qui est il est doux et il ne demande que de l'amour. Donc, bah, attrapez-le. Ah, il y en a, pardon. Elle est claire. La dernière. Ouais. Là, à côté, là. Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième rang. Deuxième rang. Mais oui. Deuxième rang. Non, c'est, il faut, du coup, c'est comme la mariée, c'est ça, tu veux? Je vais le lancer. Ah oui, comme la mariée. Vas-y, vas-y. À l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Ouais. 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 Oh, oh non, non. C'est Edouard, non. C'est le chef. Edouard. Mais non. Voilà, non, c'est le chef Léou de la série qui l'a prise. Hein, pas du tout. Allez! Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.